Nan ning mo wa klom bu ma. Ben no klom no. Hey. Oh yes. Oh yes. When you get in there, Mali, talking it. When you get in where, Mali, Mali, when down. Maman, je vais remercier le Cameroun que sa mère a donné quoi. Partager, hein? Je suis désolé. I'm désolé. Partager même, non, hein? Bon. Partager, réveillez les morts, pardon. Réveillez ceux qui sont morts il y a longtemps. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je me révolte. Maman, j'ai encore quoi là-bas? Là-bas, oh maman, les maman, les maman, les maman, Fleur de l'île de retour, partagée. Que ça arrive dans tous les ministères. Maman, j'ai traversé la frontière, celui-là. Je ne vais pas me cacher. Je vais m'asseoir. Mes chers compatriotes, bonsoir. Attendez, j'arrange bien, non? Comment? Maman, les gens aiment m'entendre ici dehors. Voilà. Éclat miel. Partagez le direct. Je pense que je porte l'habit militaire depuis longtemps. Je combats. Je suis une combattante depuis très longtemps. Avant les combattants, je suis une combattante de Facebook, des aigris, des jaloux, des vieilles chouettes. Oui. Je suis Fleur de l'île. Oui. Partagé, je suis Fleur de l'île. Partagé. Je suis Fleur de l'île. La reine mère. La MAFO. La PDG internationale. Excusez-moi, pas la PDG internationale de Facebook. Je suis une PDG internationale réelle. Vous allez m'excuser, mes chers compatriotes. Je vais vous dire bonsoir. Je n'ai pas encore dit bonsoir. Mais je vais dire bonsoir. Bonsoir, mes chers compatriotes. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, mes... Bonsoir aux abeilles. Bonsoir, mes sympathisants. Bonsoir à tous ceux qui regardent les lives, hein, qui cliquent seulement sur le volume et qui écoutent, hein, ils ne lisent pas les commentaires. Je vous salue.
Bonsoir à tous ceux qui regardent le direct quand c'est déjà fini. Tous ceux qui viennent là, quand c'est déjà fini, je vous salue. Je suis de retour du Cameroun. Vous êtes... je suis rentré hier du Cameroun. Après avoir fait une semaine de pays en pays, j'ai Boza. Le Boza, c'est clandestin. Voilà ça. Camerounaise de mon état. J'ai Boza. Je suis passé par le Tchad pour arriver dans mon pays, au Cameroun. Comme je vous disais, je suis la PDG internationale, la PDG des entreprises FDL. Je vais vous présenter d'abord ce que c'est que FDL. D'accord? C'est que quand c'est la page pub, c'est seulement la présentation, l'entrée en matière, il y a certains qui fuient. C'est ceux qui n'aiment pas encourager, ceux qui font les bonnes choses. Donc, je voudrais d'abord vous présenter les produits FDL. Avant de parler de ces produits, je tenais à remercier une grande dame, Vanessa Pan, pour sa présentation exceptionnelle et professionnelle qu'elle a fait hier sur les produits FDL. Je tenais à lui dire un grand, grand merci. Un merci à l'infini à Vanessa Pan, au couple Pan. Ceux qui ne connaissent pas notre histoire, l'histoire de la reine mère et les Pan, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire il y a longtemps. Depuis Singapour. Donc, je tenais à dire merci au couple Pan. Merci pour ta présentation professionnelle, exceptionnelle que tu as fait sur FDL hier. Je te tire un coup de chapeau. Merci mon bébé. Merci ma petite sœur. Merci, merci, merci à toi et ton charmant époux. Voilà, merci. Je voudrais vous présenter d'abord, avant de commencer mon live, parce que c'est un live qui va trop faire, ça va trop parler. Et j'aimerais vous dire, j'ai ma façon de parler. Et les gens me connaissent comme ça, que Fleur de Lille a sa façon de présenter, elle a sa façon de faire. C'est pour ça qu'on dit que chaque personne est exceptionnelle. Donc, je suis Fleur de Lille des entreprises FDL. Je suis Fleur de Lille des entreprises FDL. Notre nouvelle, notre toute dernière collection qu'on a sortie s'appelle Éclat Miel. C'est ça, Éclat Miel qui vient en coffret et en individuel. Voilà, Éclat Miel. Voilà nos produits qui sont magnifiques, qui sont très bien. Nous avons le parfum aussi. Nous avons la collection de deux produits hydratants et éclaircissants. Voilà. On va continuer avec l'ami après. C'était pour dire que je suis... Bon, je ne vais pas trop lire les commentaires parce que... Vous savez quoi? Je ne vais pas trop lire les commentaires. Donc, je tenais à vous remercier d'abord. Donc, merci infiniment. Écoute, hein, je ne vais même pas te... Toi là qui viens parler là, je ne sais pas où tu t'es perdu jusqu'à dire que par respect, on ne s'adresse pas aux gens avec les lunettes. Écoute-moi très bien. Depuis 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je m'adresse aux gens. Toi, tu sors d'où? Pour venir trop parler, tu vas prendre la politesse à qui? De toute façon, je ne m'intéresse pas à toi, d'accord? Je parle à mes fans et ceux qui me suivent, et aux détracteurs, parce que même les détracteurs sont des fans. Un big up à Vanessa Pan. D'accord? Donc, voilà, merci, un grand merci pour la présentation. Alors, ce soir, je voulais vous parler en tant que Française, en tant que Franco-Camerounaise. J'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par le commencement. Je reviens du Cameroun. Après avoir fait, je suis entrée clandestinement au Cameroun. Oui, je suis entrée en clandestin. Je me suis cachée au Cameroun jusqu'à, je suis revenue en France.
Est-ce normal? Une Camerounaise de la diaspora qui se bat pour son pays, qui donne du travail dans son pays. On lance un mandat d'arrêt contre elle. Est-ce normal une Camerounaise, une digne fille du Cameroun, comme moi, Fleur de Lille, la récompense que le Cameroun me fait avec tous ces voleurs qu'il y a au Cameroun, tous ces pilleurs qui pillent notre pays, on ne leur fait pas le mandat d'arrêt. Moi, on m'a lancé un mandat d'arrêt. On m'a lancé un mandat d'arrêt. Je suis convoquée à la PJ, à la police judiciaire au Cameroun. Je me suis cachée, voilà mes deux passeports. Je ne suis pas née française, moi. Je ne suis pas née française, je suis née camerounaise. Et j'ai obtenu mon passeport. Pardon, regardez mes mains, ceux qui passaient, éclamiez-les, regardez bien. Je n'ai pas les histoires qu'on appelle les kento là, regardez très bien. Éclamiez, ça nettoie. Donc je voulais dire que ce soir, je vais parler à la nation. Oh my God, je voulais d'abord remercier le bon Dieu. Parce que je suis en joie. Je suis très en joie ce soir. Parce que le Kaolo, c'est une bonne chose, les papiers. Je n'ai jamais cessé de dire à mes soeurs que cherchez vos papiers parce que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours le passeport camerounais, mais ça m'apporte quoi? Le passeport, ça m'apporte quoi? Rien. Le passeport camerounais ne m'apporte rien du tout. Je suis désolée. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise. Je suis née camerounaise, moi. Mais je n'ai pas choisi. Si le Cameroun m'apportait quelque chose, je ne serais pas en France. Je ne serais pas ici en France. Je serais dans mon pays. Mais je jette ce passeport et je soulève le passeport français pour dire merci la France. Merci à la France. La France qui donne tout aux étrangers. Vraiment, respectons la France. La France est un grand pays. Respectons la France, maman. N'insultons plus la France. Que les Africains qui habitent en France arrêtent d'insulter la France ici, étant ici dans la France. Parce que si vous étiez bien dans vos pays, vous ne venez pas. J'ai envie de je ne sais pas, j'ai envie d'aller embrasser. J'ai envie d'aller embrasser la France. De dire merci à la France parce que cette France m'a tout donné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Je voudrais dire merci la France. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Je suis français, digne moi. Je suis une bonne française, une française intégrée. Je travaille en France. Je paye mes impôts, s'il vous plaît. Je travaille dans ce pays, je contribue pour la France et je paye mes impôts. Je paye mes impôts. Et la France m'a récompensé. La France m'a récompensé. Et je voulais dire merci. Merci. Merci à cette France. La France d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Oui, grande sœur. Oui. C'est comment? Non, 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 non. Non. Non, 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 t'inquiète. Non. Non, 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 non. Non, je peux pas. D'accord. Donc, merci. Merci à la France. Parce que, comme j'ai toujours dit, les papiers, c'est une bonne chose. Oui. Les papiers, c'est une très bonne chose. Quand on est dans un pays, on doit chercher à s'intégrer. Oui. Et l'intégration passe par ça, maman. Je ne veux pas vous mentir. Je suis en joie aujourd'hui. Parce que ma mère, elle est là. Je voudrais remercier l'ambassade de France. Malgré les chichis, remercier l'ambassade de France de m'avoir fait confiance en donnant le visa à ma mère. Et j'aimerais remercier cet inconnu que je ne citerai pas son nom parce que c'est un témoignage que je fais ce soir. Les gens qui disent souvent, oh,
Facebook, non. J'aimerais remercier cet inconnu, que je ne citerai pas le nom, qui a tenu ma main comme ça là. Qui m'a soutenu pour que ma mère ait le visa pour la France. Je suis fière de moi et je suis fière de ce que la France a fait pour moi parce que, sans vous mentir, les soins médicaux dépassent tout dans la vie. La santé, c'est la chose la plus... C'est-à-dire que tu peux ne pas être millionnaire, milliardaire, mais quand tu as ta santé, ça dépasse tout. Voilà. Ça dépasse tout, la santé. Donc, comme je vous disais, vous savez, moi, avant de continuer, vous savez, il y a quelqu'un qui a lancé un mandat d'arrêt. Comment on avait un mandat d'amener contre moi. Et je vais vous expliquer. Vous savez, j'ai même envie de pleurer quand je vous parle de ça. J'ai envie de couler les larmes. Mais je ne donnerai pas l'occasion de couler les larmes parce que je ne vais pas pleurer. Comme vous voyez, les gens sont méchants. Le noir... Quand je vais finir le direct, ce que je vais dire là, maintenant je vais continuer parce que je ne vais pas couper le direct pour parler des autres. Tout. Non, je ne vais pas couper. Je vais continuer. Je ne vais pas couper. Les gens qui me disent que non, coupe-tu lances. Non, je ne coupe pas. L'Africain est méchant. L'être humain, ça dit que l'homme noir est d'une méchanceté que vous ne pouvez pas imaginer. Le Camerounais est méchant. L'homme Camerounais, ça dit que l'homme Camerounais, pas tous les Camerounais, c'est un Camerounais, non? Si tu vois le serpent, tu vois le Camerounais, là, tu tapes d'abord la tête du Camerounais avant de taper la tête du Camerounais. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les Noirs sont méchants. Je ne vous mens pas que les Africains sont d'une méchanceté que... Oui, certains Africains sont très méchants. On ne peut ne pas dire. Mais ce soir, je vais le dire parce que je vais le dire et j'assume. Vous comprenez, non? Moi, j'assume les conséquences. D'accord? Je suis restée ici. Là, il faut d'abord biper ces gens en ango. Je suis restée ici. La dernière fois que je suis allée au Cameroun, avant cette fois-ci que je suis venue, je suis allée chercher ma mère. J'ai eu un incident dans l'avion. Ça s'appelle l'abus du pouvoir. Donc, ça veut dire au Cameroun, si tu n'as personne, tu pars en prison pour rien. Si tu n'as personne, quel est ce pays où, hein? Si tu n'as personne, on peut te tuer gratuitement pour rien. Pourquoi? Hein? Quel est ce pays où on peut te mettre en prison pour rien? Est-ce que vous vous rendez compte que les gens sont méchants? J'espère que mon président est là. Mon président Amoté est là. Bonsoir président, bonsoir la première dame. Je vais vous raconter cette histoire. Je suis passée en brousse pour aller au Cameroun jusqu'à je suis revenue. Vous savez les réseaux sociaux. Serge Anango, s'il est là, bonsoir Serge Anango. On m'a fait un mandat d'amener. Je suis la plus respectueuse de toutes les blogueuses camerounaises qui clashent les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas me dire que Flor de Lille a insulté mon parent. Je n'ai jamais insulté les parents de personne. Oui, je dis que je suis la blogueuse la plus respectueuse. Je dis bien que je suis celle qui ne s'est jamais attaquée aux parents de personne. Si je mens, allez me sortir les anciennes vidéos, vous amener ici sur les réseaux sociaux. Si je mens, sortez-moi les vidéos. Sortez-moi les vidéos où je suis en train d'insulter la maman de quelqu'un ou le papa de quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours su faire la part des choses. Je suis la blogueuse la plus honnête. La plus gentille, la plus humaine. Le reste, c'est le mbrakata. Le reste, c'est le vrac-vrac. Le reste, je ne suis pas une fille jalouse. Je suis humaine. Et je suis humble. Les gens m'aiment pour mon naturel. Je ne force pas. Vous allez dire, ce n'est pas les Écosses qui font que vous êtes 3300. Hein. Non. Parce que hein, je captive. Je n'ai pas besoin de venir clasher X ou Y. Ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai trop de sujets. Je suis une fille polie.
Vous avez vu tout ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Tout ce que je vis, si je n'étais pas, que je suis une... Moi, je suis une fille Tchang. Je suis une fille de la Menoua, 100%. Si je n'étais pas le genre de fille qu'un... Je fais comme ça, c'est que je me suis suicidée. Les gens ont mis les téléphones pour s'attaquer à ma mère, à mon fils, à ma famille. Chose que je n'ai jamais fait. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous m'aviez déjà vu mettre un, allumer le téléphone pour qu'on clash, qu'on insulte la mère, l'enfant de quelqu'un. Non. Moi, je m'attaque aux gens qui s'attaquent. Moi, je les réponds. Je n'ai jamais, je ne suis jamais attaqué à la mère de quelqu'un. Et quelqu'un qui s'attaque à mon parent, je dis bien que quelqu'un qui s'attaque à mon parent, cette personne et moi, c'est ennemi à vie. Je dis, quelqu'un qui s'attaque, parce qu'un parent, parce que tout ce que nous faisions là, ce n'est pas nos parents qui nous envoient là. Non, ce n'est pas nos parents. Je ne peux jamais m'attaquer aux parents de Troui. D'accord? Donc, moi, je suis consciente d'une chose. Les parents, il ne faut pas mêler les parents des gens sur les réseaux sociaux. Je suis restée ici. Je vois un mandat d'amener. Je demande, mais pourquoi il y a un mandat d'amener contre moi? Le président était au Cameroun. On lui a dit, il y a un mandat d'amener contre moi. Et le président Maudma a dit, quelqu'un fait un mandat d'amener contre moi. Et il m'a parlé de la personne qui a fait le mandat d'amener. D'accord? Il m'a dit, la personne qui a fait le mandat d'amener, il s'appelle Evra. Patrick Evra. J'ai parlé avec lui au téléphone. Le président Maudma a passé le téléphone. Je parle avec lui. Je lui ai dit, messieurs, je n'ai jamais entendu parler de vous. Je ne vous connais même pas. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez faire un mandat d'amener contre moi. Il me dit, on lui a dit que moi, je l'ai insulté, lui, en commentaire chez Serge Anango. Non, parce qu'il faut que Serge Anango vienne s'asseoir pour écouter. Il a dit que moi, on lui a dit que j'ai fait les mauvais commentaires. Je bloque un peu ceux qui envoient les têtes de mort là. Et tout. J'ai parlé avec lui, j'ai essayé de l'expliquer que non. J'ai jamais fait une vidéo pour vous attaquer à vous. C'est Jean Nango, il est d'abord dans son mur et tout et tout. Il fait ce qu'il veut là-bas. Moi, sincèrement, je ne connais pas. J'ai bien parlé avec lui, tranquille et tout et tout. Hey, à ma grande surprise, un autre jour, le président a négocié. Il a dit que non, il n'y a pas de souci, il va retirer le mandat d'amener contre moi et tout et tout. Mais... c'est ce qu'il a dit qu'il va le faire. Je lui ai dit que ouais, si je me suis attaqué à vous un jour, mais je vais assumer, je ne vous connais même pas. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas pourquoi vous faites un mandat d'amener contre moi qu'on vous a dit que j'ai commenté. C'est vraiment incroyable et méchant. Ma mère, elle a eu le visa depuis. Et... vous savez, quand on te donne un visa pour venir te soigner, c'est par rapport au rendez-vous à l'hôpital. Quand il y a eu le visa, moi, la seule personne, j'ai parlé avec mon président. Je lui ai dit, président, tu sais, maman a eu le visa et tout. Je vais aller chercher ma mère au Cameroun. Parce que c'est une maman, elle a quand même... attends, c'est pas une enfant. Je vais aller chercher ma mère. Comme elle vient pour une opération et tout, il faut que j'aille la chercher au Cameroun. Je ne veux pas... les trucs assez, il me dit que non, il n'y a pas de problème, il va parler avec ce monsieur. Je parle bien avec ce monsieur et tout, hey. J'ai parlé avec lui près d'une heure de temps. J'ai essayé de l'expliquer les choses, il faut que j'aille chercher ma mère parce qu'elle vient se... les gens sont tellement d'une méchanceté, je me dis, quand tu fais du mal à quelqu'un, je ne sais pas quoi, pourquoi vous faites du mal aux gens? J'ai expliqué à ce monsieur, non, ma mère, il faut que j'aille chercher ma mère et tout. Moi, je n'ai pas envie d'aller au Cameroun. Et puis, je me retrouve à la police, on me perd le temps. C'est pas que j'ai peur de la police, d'aller à la police au Cameroun. Quand on te convoque, tu dois te présenter. Mais le problème, c'est que le père, tant que je suis en train de... Le temps qu'on va m'arrêter pour me mettre là-bas dedans, si je reste une semaine, ça fait déjà une semaine de moins sur les rendez-vous médicaux de ma mère. Ça fait que ce n'est pas bon. C'est pour ça que je me suis cachée.
À ma grande surprise, quand je vais au Cameroun, il apprend que je suis au Cameroun, il commence à s'énerver. Pourquoi je suis allée au Cameroun? Monsieur, qu'est-ce que je vous dois? Il dit que pourquoi je suis allée au Cameroun? Pendant que j'étais au Cameroun, je me cachais. Il s'est fâché jusqu'à. Il dit que, pourquoi on m'interdit le Cameroun? Je pars encore là-bas. Je suis allée faire quoi au Cameroun? Il a commencé à s'énerver. Que pourquoi je suis allée au Cameroun? Papa, comment tu peux te fâcher? Tu as déposé un mandat d'amener contre moi. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu te fâches parce que oh, tu apprends que je suis allée au Cameroun chercher ma mère? Pourquoi vous êtes. Moi, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes le neveu de Paul Biya, du présent Paul Biya. Mais pourquoi vous ne nous en prenez pas assez, Jean Nango? Il est là. C'est lui qui avait fait la vidéo. Est-ce que moi, je suis concernée? Est-ce que je suis concernée de commenter? On fait mandat d'amener. Quel est ce. On fait mandat d'amener sur quelqu'un parce que la personne a commenté. Je n'ai jamais commenté. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Emma Foflore, Flore, ceci. Des gens qui ont mon nom. Ça ne veut pas dire que c'est moi. L'histoire du mandat d'amener, c'est ça. Vous m'aviez déjà vu clasher la grand-mère du président de la République. La grand-mère du président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de cette méchanceté? Monsieur, moi je sais que vous me suivez parce que vous m'avez dit que vous, vos nièces, tout ça, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas, je vais dire, je ne comprends pas cet acharnement sur moi. Comme je vous ai dit, la personne qui a amené votre nom sur les réseaux sociaux, vous savez, un jour, j'étais sur le mur de Serge Anango. Il y avait une vidéo où un monsieur était dans le taxi. Il promettait qu'il va mettre une vidéo. Ce n'était pas, on n'insultait pas la mère de Paul Biya. Il était en train de promettre qu'il va mettre une vidéo où il y a quelqu'un qui agresse une femme dans le taxi, quelqu'un qui est parti voir une Waka qui a dormi avec, qui n'a pas payé. Et c'est le jour-là que Serge Anango était en train de dire que oui, il y a une vidéo et tout et tout. Quelqu'un a pris le piment d'une fille et il a tapé, la personne a tapé la fille dans le taxi. C'est le jour-là que j'étais dans le direct de ces gens-là. J'ai demandé que c'est où? Parce qu'il avait donné un lien là pour aller regarder la vidéo là. Moi, je ne connaissais même pas que c'est la famille présidentielle et tout. J'avais seulement dit que, mais cette personne qui a fait ça, franchement, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut taper une fille comme ça, nanani, nanana. Je n'ai jamais insulté ce monsieur. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le président de la République a ses enfants, Franbia, Brenda, Junior. Les gens insultent Paul Biya depuis 1900, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ses enfants ne sont jamais sortis qu'ils vont faire la vidéo parce qu'on a insulté leur père. Aucun enfant, je dis qu'aucun, même ses soeurs, personne n'est jamais venu dire que comme on insulte le président de la République, je vais venir faire le mandat d'arrêt contre quelqu'un qui a insulté Paul Biya. Si vous voulez faire les mandats d'arrêt contre les gens, vous avez fait sur combien de personnes? À quel moment, moi, sur les réseaux sociaux, non, mais il faut dire les choses, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que Serge Anango arrive. C'est ça, c'est l'injustice. On me convoque parce qu'on dit que j'ai commenté. Que j'ai commenté une vidéo, on insulte sa grand-mère. Moi, je ne suis pas d'accord que. On insulte les mamans des gens. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que la mère du président de la République repose en paix. Tout ça, je suis d'accord pour tout ça. Mais est-ce que mon problème sur ça était quoi? Hein? Est-ce que mon problème sur ça était. La première fois que j'entends parler de ce monsieur, c'est la vieille chouette Shinto de Suisse qui fait la vidéo et qui raconte comment il sort avec la femme d'un artiste qui chante le Bikoussi, je mens. Quand il y avait les problèmes là, ce n'est pas. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Moi, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous ne portez pas plainte contre quelqu'un qui est venu mettre votre vie sur les réseaux sociaux en disant que vous sortez avec une femme mariée et tout, vous n'avez pas mis ça. Vous venez me porter un mandat d'emmener que moi, j'ai commenté un commentaire. Hein? Les gens, non mais sérieux, hein, ce n'est que pour ça, hein, ce monsieur dit, ce n'est que pour ça que j'ai commenté là où on insulte la mère du président de la République, c'est tout. Voilà où vient le mandat d'âme. Et les gens, moi je m'adresse à vous, vous qui me suivez, qui partez l'appeler pour lui dire ceci, vous ses nièces, ses cousines, vous me suivez, moins de choses, vous avez vu que je suis au camp, vous avez appelé. Lui-même le monsieur, il est tranquille et tout, c'est vous qui appelez pour dire, oh,
C'est vous qui appelez ce monsieur pour lui dire que Fleur de Lille en Côte d'Ivoire, pourquoi sur 10 000 commentaires sur ces gens en Ango, vous signez sur moi? Hein? Sur 10 000 commentaires, vous signez sur moi, pourquoi? Est-ce qu'un mandat d'amener ne veut pas dire qu'on m'interdit le Cameroun? Non. Je suis allé au Cameroun, je suis ressorti. Je suis entré légalement au Cameroun. Et la police m'a dit, oui, on t'attend à la paix. J'ai dit, je vais me présenter. Pour le moment, je suis venu chercher ma mère. Est-ce que vous pensez qu'un mandat d'amener, ça veut dire qu'on m'interdit le Cameroun? Vous êtes sérieux? Même le président de la République, le président Paul Biya, ne peut pas interdire à quelqu'un le Cameroun. Quelqu'un qui n'est pas en Asie politique. Maman, on va m'interdire au Cameroun par rapport à quoi? Je peux au Cameroun, le monsieur s'énerve. Je lui ai même supplié que, mais, enlevez alors votre mandat là. Parce que bon, je ne voulais pas arriver au Cameroun et me cacher quand même. J'ai envie d'arriver au Cameroun, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais quand même, faire les dieux pour dire que je suis à tel endroit. Est-ce que j'ai fait ça? Je me suis caché jusqu'à rentrer, non? Hein? Est-ce que c'est normal? Un mandat d'amener pour commenter sur Facebook. Mes chers compatriotes, ce n'est pas l'abus du pouvoir. Ce n'est pas l'abus du pouvoir. Même ce procureur qui écrit, ou c'est le procureur qui écrit, ou c'est le commissaire, est-ce qu'un commissaire peut prendre quelque chose sur la base des on-dit? Parce que moi, j'ai pris un avocat au Cameroun qui va s'occuper de ça. Et l'avocat me représente. Je ne suis pas obligé d'aller à la peau. Pourquoi? Je suis chef d'entreprise. J'ai mes moyens pour payer un avocat. Non, je suis obligé d'aller me présenter. L'avocat me représente. Hein? J'ai négocié, je suis en train de négociation avec lui. Hein? Je ne peux pas dire qu'il ne veut plus jamais aller au Cameroun. Papa, quoi? Je fuis le Cameroun que... Non, mais c'est un jubilé là que... Oh, mais je suis bien parti, je suis revenu, non? Ou bien vous allez dire que je suis passé par un autre pays. Ou bien vous allez dire que ma mère a pris l'eau. Hein? C'est moi qui ai tué votre grand-mère. Même pas la pitié que la maladie, que la mère de quelqu'un. Je vous ai supplié en disant, ma mère va subir une opération. Comme elle est arrivée là, elle entre à l'hôpital mardi. Elle n'est pas venue se balader. Le monsieur n'a pas eu pitié de moi. Hein. Il s'en fout. Son problème, c'est qu'il faut qu'on m'arrête, on me mette en condengui. Non, mais sérieux, parce que je n'ai jamais commenté. Il y a une chose que vous devez comprendre. Hein. Vous allez m'excuser. Hein. Je vous assure, ce n'est que ça. Que moi, j'ai commenté chez Serge Anango. Moi, je commente partout, hein, des fois. Mais ce jour, sur ce direct, je n'ai jamais commenté un direct où on insulte la mère de Paul Biya. Je n'ai jamais fait ça. Mais il y a les directs des faux profils, là, partout, partout. Là, je pars un peu partout. Quand je m'ennuie, je regarde là, il y a les gens qui disent que question, machin, une fille là qui fait le direct ambassade, tout ça. Je regarde, je rigole. Moi, ça m'amuse. Moi, quand j'entre dans un direct, je commence à voir qu'on m'insulte. Je bloque la personne qui fait le direct pour ne plus jamais regarder. C'est comme ça. Moi, je me balade un peu partout et je regarde. C'est vrai que mes fans disent, ah, tu es une star, arrête de commenter partout. Mais si c'est sucré, comme vous regardez, moi, je peux créer un faux profil, m'envoyer le mot de passe. Hein? Mais pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails, Inès et Sot? Pourquoi? Il faut souvent arrêter vos conneries là. Je ne suis pas là pour rigoler aujourd'hui. Hein? Tu as entendu, non? Tu comprends ce que je t'ai dit? Il faut arrêter ça, hein? Attends, vous connaissez ce que je subis? Je subis les attaques partout. Moi, je ne comprends pas. Je subis les attaques partout. Il y a des filles qui sont sur les réseaux sociaux qui... Pourquoi le monsieur ne fait pas le mandat d'amener contre la Chintoc de Suisse, là? Qui l'a insulté partout? Pourquoi il ne fait pas? Parce que moi, je ne suis pas bêti. Je suis désolée, je n'ai pas choisi d'être bamileke. Non, mais il y a le tribalisme là-dedans. Pourquoi vous voulez m'anéantir? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est parce que je suis bamileke que vous faites ça, messieurs. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas m'accuser en disant que... Parce que Fleur de Lille, moi, j'ai commenté sur un direct. Vous partez me faire un mandat d'amener. Il y a beaucoup de bêtises qui ne sont pas d'accord avec vous dans vos groupes là. Le groupe que vous avez... Il y a un groupe que vous avez créé des bêtises là. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Vous ne pouvez pas... Allez faire ça. Allez arrêter ces gens en Ango. Pourquoi c'est moi? Hein? Est-ce que j'ai choisi d'être bamileke, moi? Je n'ai pas choisi de n'être bamileke. Je suis fière de l'être. Vous voulez m'anéantir à tout prix. Pourquoi? On me dit que je me suis attaquée à la grand-mère du chef de l'État. Maman, la grand-mère du chef de l'État, pas le chef de l'État, la grand-mère. Non, mais attends, que j'ai commenté sur un direct.
Mes sœurs, arrêtez un peu votre tribalisme là. Hein? Pourquoi vous détestez les Bamileke à ce point? Pourquoi vous haïssez les Bamileke à ce point? Non, mais sérieux. Non, mais parce que là, quand même, c'est quand même aller trop loin. Vous ne pouvez pas me dire que moi, j'ai commenté sur un direct. Vous. Non, mais que ce soit encore quelqu'un que j'ai clashé, je vais assumer. Hein? C'est le tribalisme et c'est honteux. Oui. Pas ma voix. Parce que je suis suivie. Moi, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Je fais tout, je respecte les gens. On voit les vieilles chouettes là, de chez vous, qui insultent les gens tous les jours sur les réseaux sociaux. Qui insultent Roa. Quand je m'assois, mes fans là, arrêtez vos bêtises là. Hein. Quand je m'assois, que pas. Non, Flo, n'entre pas dedans. Tu as les fans de partout. Arrêtez, il y a des choses qui font mal. Hein. Vous avez entendu? Nous sommes tous Camerounais. Hein. C'est notre pays, nous tous. À un moment donné, il va falloir que certaines personnes dégagent. Vous allez travailler pour manger. Quel est ce pays où, parce que tu connais quelqu'un, tu vas faire du mal à quelqu'un comme ça? Hein? Non, mais attendez, vous êtes sérieux? Pourquoi autant de tribalisme dans ce pays? Vous croyez que vous êtes éternel? Hein? Non, mais attendez, arrêtez. On va commencer à ne plus parler les patois dans les bureaux, hein, au Cameroun, là. On va d'abord arrêter de parler les patois, là, dans les bureaux. Et vous allez montrer tous ceux qui travaillent dans les ministères au Cameroun, vous allez montrer vos diplômes. Parce que vous êtes plein, que vous êtes sans diplôme. Vous avez des faux diplômes, vous travaillez dans des ministères, vous travaillez partout, vous avez des faux diplômes. C'est ça qu'on dit qu'il faut que le pays change. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ce pays, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait une justice claire au Cameroun. Il faut que la justice soit honnête. On ne peut pas aller porter... Ici, quand tu es ici en France, tu ne peux pas aller même pour dire que je suis venu porter plainte. Pourquoi? Les preuves. On porte plainte sans preuve. On fait un mandat d'amener sans entendre la personne. On me fait un mandat d'amener sans m'entendre, sans m'écouter, sans me convoquer que venez. Non. J'entends seulement mandat d'amener. Il faut que le Cameroun change. Et le Cameroun va changer. Ce pays va changer et vous allez confirmer la confirmation du code. Vous allez confirmer le code. Je dis, j'assume. Vous allez travailler, montrer vos diplômes. Vous allez travailler avant de manger. Chop Brewpot. Vous allez travailler avant de manger. Désormais, vous allez travailler dans ce pays avant de manger. Et vous allez montrer vos diplômes. C'est quoi? N'importe quoi. Mais on est où là? Un pays sans justice? Hein? Mais allez faire le mandat d'amener pour tous ces hommes au gouvernement qui détournent des sommes falamineux là. Il y a un autre qui avait détourné les milliards là. Il a fait le Njansang, il a fait le Njansang jusqu'à ce qu'il est devenu clair de peau, non? Il était doux. Hein? Vous allez rembourser l'argent du Camerounais. Vous avez compris? Tout ce que vous mangez là, j'assume. Non, mais il faut dénoncer. Non, mais attends, c'est malheureux. Vous faites un mandat d'amener contre une personne que la personne a commenté un commentaire sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et que faites-vous des grands bandits, là? Des voleurs de la nation? Hein? Que faites-vous des gens qui mangent sans travailler, là? On en a ras-le-bol. Hein? On en a ras-le-bol. Vous me faites un mandat d'amener parce que je m'appelle Kinkam. Parce que si j'avais un nom, je ne sais pas comment on appelle même nom. Si j'avais un nom que Mojang, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes trop tribaliste. Vous êtes trop tribaliste. Il y en a ras-le-bol. Il y en a marre. Ce pays, c'est le pays de tous les Camerounais. C'est pas un pays de... C'est pas une tribu. C'est pour tous les Camerounais. Je prends l'exemple sur moi-même. Je ne suis pas en train de parler, j'ai les fans de partout, de toutes les tribus. Je suis en train de parler de mon exemple. Comment quelqu'un peut me faire un mandat d'amener sous prétexte que j'ai fait un commentaire sur Facebook? Quand on lui a dit que j'ai fait un commentaire qui n'est même pas justifié. Jusqu'à s'énerver que pourquoi je suis allée au Cameroun. Mais attendez, commencez à payer la police. Hein? Mais elle est là-bas, cherchez-la. J'arrive au Cameroun.
Quelqu'un appelle, donne rendez-vous. Ouais, je vais acheter les produits, nanani, nanana. Je dis, mais attendez, j'ai une représentante. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que j'ai le, pour que la personne m'appelle. La représentante, c'était deux dames. Elles ont appelé pour dire qu'elles voulaient acheter le produit. Quand on a su que c'est au Cameroun, c'était deux dames qu'on a arrêtées, qu'on a envoyées pour venir guetter si je suis vraiment là. Hein. Tout c'est donc vous, c'est-à-dire que les gens même qu'il faut rechercher, on recherche les criminels, pas les nobles personnes comme moi qui nous travaillons pour le Cameroun. Parce que je suis en France, je n'ai rien comme ça parce que tout ce que j'ai eu, je suis partie mettre au Cameroun là-bas, que je vais investir au Cameroun. Investir même là où on ne te paye même pas le loyer. Que si je savais, mais je n'allais jamais faire. Nous, on a donné le travail aux gens au Cameroun. Tout ce que j'ai fait ici, quel que soit ce que j'ai fait, je suis allé investir là-bas. Ça pourrait même m'acheter même deux maisons en France. Parce qu'on paye la maison à crédit en France. Au Cameroun, on paye cash. Ici, on paye à crédit. Hein? Donc, les nobles personnes comme nous, vous voulez nous interdire le Cameroun, pourquoi? Je ne suis pas en Asie politique. Hein? Même ceux qui sont en Asie politique, ils vont au Cameroun. Hein? Il y a beaucoup qui sont en Asie politique, ils vont bien au Cameroun. Hein? Non, mais attendez, vous pensez que les gens qui sont en Asie politique, ils vont pas au Cameroun. Ils vont bien, ils passent bien les frontières, ils entrent au Cameroun. Et ils ressortent, personne ne les fait rien. Je regrette d'avoir investi au Cameroun. Parce que ça ne m'apporte absolument rien. Mais je l'ai fait pour l'honneur de mon pays. Pour dire que j'ai envie de faire quelque chose ici au pays, au Cameroun. Parce que voilà, c'est mon pays et tout et tout. Mais quand tu vois tous ces magouillards, quand tu vois toutes ces choses-là, mais c'est décourageant. Je suis désolée. Si on prend même cette personne qui me fait le mandat d'Aaron, on lui dit que tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Parce que moi, j'ai fait pour le Cameroun. Si on prend cette personne, on dit que bon, toi-même, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Je ne sais pas. Arrêtons de dire qu'on est l'enfant de tel, on est l'enfant de tel, on est le cousin de tel, on est la cousine de tel. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Soyez quand même vous-même. On en a ras-le-bol. Nous voulons le changement, point. Point à la ligne. J'espère que je me fais comprendre. Je dis que nous voulons le changement, que ça s'arrête et qu'on arrête de l'intimidation au Cameroun. On en a marre des intimidations dans ce pays. Un pays où tu ne fais rien, mais on t'intimide comme ça. Un pays où il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Quand vous connaissez les gens, moi aussi je connais les gens. Je suis désolée. Pourquoi ils sont entrés et sortis alors? Parce que je connais aussi les gens. Venez m'arrêter si je vois. Il faut faire un mandat international. Hein. Comme ça, je vais confirmer la puissance que... Faites le mandat international, pas le mandat national. Il faut faire international pour montrer le pouvoir. Pour dire que oui, je suis de la famille présidentielle. Flor de Lis, tu te tapes un mandat international. Comme ça, je vais confirmer que... Hein? Je vais bloquer une personne, c'est Pipo quoi là. Tu es en train d'insulter qui là même? Vieille chouette. Non, ce n'est pas Pipo... Machin là, c'est Martine quoi là. Imbécile. Tu viens commenter quoi ici là? Ce n'est pas Pipo, ce n'est pas lui, c'était une autre fille là. Tu vas souffrir de me voir, vieille chouette. Je dis que nous voulons le changement. Parce que le changement sera pour le bonheur de tout le monde. Le changement sera pour le bonheur de tout le monde. Je ne suis jamais venu ici dire que oui, machin, tout ça là. Tout ce qui va concerner maintenant le changement du Cameroun, moi, mais je vais aller marcher. Parce que je suis une victime. Je suis une victime, oh. Je suis victime. Mais attends. Pendant les élections ici, on a voulu me crucifier. Je croyais que quand on est du côté du RDPC, on est sauvé. Je suis désolée. On n'est même pas sauvé, même un peu. Pendant la campagne présidentielle, si je n'ai pas soutenu le RDPC ici ouvertement, quand on voulait seulement me finir, même mes fans n'étaient pas contents. Mais attendez. Je suis partie alors là-bas par rapport à quoi? Donc moi, avant les élections, c'est Flor de Lis, hein, je fais la guignole. Hein, il faut dire aux gens d'aller faire la... Maman, c'est moi ici avant les élections. Hein, l'inscription, l'année avant, un an avant. Je suis allée à l'ambassade du Cameroun. Il y avait ce qu'on appelle ces commis, quoi, là, l'autre là qu'on appelle
L'autre là, qu'on appelle ce qui est le comité des votes là, on appelle ça quoi? En haut de l'étage à l'ambassade du Cameroun. C'est une organisation, on appelle ça quoi? Ceux qui contrôlent les votes là. Donnez-moi le nom, on appelle ça ELECAM. C'est ELECAM, c'est quoi? C'est comme ça qu'on m'a appelé. Ils ne m'ont même pas payé pour qu'ils parlent de leurs histoires. Ils ne m'ont rien donné. Je suis venue m'asseoir. Ils m'ont dit, oui, il faut dire, tu es suivi par la jeunesse, tu es suivi par tout le monde. Demande aux Camerounais d'aller s'inscrire pour la liste électorale. Ne dis pas le parti. Il faut dire, c'est eux qui ont écrit ce que je vais dire. C'est eux qui ont écrit ce que je vais dire. Ceux qui, où on s'inscrit pour faire les élections, ceux qui ont les bureaux là. Je suis venue m'asseoir sur Facebook pour dire que oui, mes chers frères Camerounais, allez vous inscrire avant le mois d'août parce que il y a les élections. On n'est pas obligé d'avoir les papiers en France pour voter, pour choisir son président. Et c'est comme ça que j'ai dit aux Camerounais que allez vous inscrire à l'ambassade, dans toutes les ambassades du monde, du Cameroun, et vous allez choisir votre président de la République. Parce que ce jour-là, les gens là m'ont dit que quoi? Il ne faut pas dire un parti. Commission électorale. Ça s'appelle commission électorale. C'était à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je suis à l'ambassade. Ils m'ont appelé dans un bureau pour dire oui. Il faut qu'ils ne m'ont pas donné. Je pouvais demander 1000 euros pour parler. Vous voyez qu'ils parlent des choses des gens pour rien. Comme c'était pour le Cameroun. J'ai parlé un jour comme ça sur Facebook. Je pouvais demander qu'on me paye. Vous croyez que je m'assois et parle des choses des gens pour rien. Gratuitement. C'est vous qui m'avez fabriqué que je sois là comme ça. Il y a 4000 personnes qui me regardent en direct. Vous connaissez ce que le travail, le nombre d'années qui fait que tu t'assois. Commissaire électoral. Boss, publicité. www.flordelilleboutique.com. Aux États-Unis, Angé Kenney Production. Voilà. Angé Kenney Production pour les produits FDL. Au Canada, Sunshine. Vous trouvez les produits à Paris, LVS Cosmétiques, à Lyon, au Cameroun. Sur Internet, vous pouvez commander. Mais j'aimerais d'abord faire une petite pause pour vous annoncer que cette année, la reine-mère, la PDG internationale, la seule blogueuse, influenceuse, que même l'embrakata menace, l'embrakata, que cette année, le 9 mars, pour la journée internationale de la femme aux États-Unis, au Texas, présentée par Angé Kenney Production, on a décidé, elle a décidé pour sa soirée, que la journée internationale de la femme, cette année aux États-Unis, c'est blanc en white. Donc, si quelqu'un vient avec le pain, habillez-vous comme vous voulez, mais on a dit blanc en white, elle ne fait pas sa soirée avec le... On ne porte pas la tenue là-bas. Donc, si quelqu'un vient, on lui déshabille en route. Ça, c'est risque et péril. Je suis désolée. Je dis ceci. Je dis, le 9 mars aux États-Unis, la PDG internationale Fleur de Lys sera à Houston, au Texas, pour la journée internationale de la femme. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnel parce que ça sera blanc et noir. Ça s'appelle blanc en white. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Parce que hein, c'est le promoteur qui investit pour organiser sa soirée. Je suis désolée. C'est le promoteur qui investit son argent. Un promoteur n'investit pas pour que, hein, pour que ça se gâte. Donc avec tout ce qui se passe là, le promoteur a décidé que... Hein, sa soirée sera avec black and white. Vous pouvez soulever, hein. Vous pouvez tout soulever. Donc, on ne porte pas le pain là-bas. Je suis désolé. En tout cas, hein, c'est vous qui voyez. Oh, ça vous regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, le 9 mars, au Texas, à Houston, la reine me présente officiellement les produits aux États-Unis d'Amérique. Et ce jour-là, c'est la journée internationale de la femme. Et le pain du 8 mars ne sera pas porté. N'allez pas dire que c'est Fleur de Lys qui encourage qu'on ne porte pas le pain du 8 mars. Comme vous aimez mettre les choses sur ma tête ici dehors, j'ai dit, c'est le promoteur qui me charge de le dire. Parce que moi, je suis invitée dans des soirées parce que je suis suivie et je fais la pub, la promo
Donc, le promoteur me charge de vous dire que le 9 mars au Texas, aux États-Unis, il n'y aura pas le pain. Parce que quand tu sors pour aller boire ta bière, tu ne veux pas qu'on tape la bouteille sur ta tête. Quand le promoteur organise sa soirée, celui qui investit, ce n'est pas le gouvernement qui paye. Je suis désolée. Donc, le promoteur a dit de vous dire ça. Donc, le 8 aux États-Unis, pardon, au Canada, à Montréal, parce que la reine-mère sera le 8 à Montréal, le 8 mars à Montréal, pour la journée internationale de la femme. Je ne sais pas ce que la PDG canadienne a choisi cette année. Je ne sais pas si elle a la PDG Galactique, elle a déjà choisi la tenue qu'on va porter. Je ne sais pas si elle a choisi un terme de soirée. Elle peut faire glamour. Elle peut faire ce qu'elle veut. On va soulever, mais je ne sais pas encore. Je voulais vous parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, la reine-mère sera en Angleterre. À Leeds, avec la reine galloise. Et beaucoup de fans pour la Saint-Valentin. Aïe, qui sera sur un signe glamour. Cette année, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Je suis très occupée. Je suis très, très occupée. Donc cette année, bon chic, bon jar. Donc la PDG canadienne vient d'annoncer à l'instant que sa soirée ne sera pas faite avec le pain du 8 mars au Canada, à Montréal. La PDG canadienne vient d'annoncer à l'instant que sa soirée du 8 mars ne sera pas sous le signe du pain. Donc le dress code sera donné avec les affiches directement vendredi. Le dress code sera donné, mais sachez qu'elle vient de décider à l'instant que le 8 mars à sa soirée, la journée internationale de la femme, on ne portera pas le pain dans sa soirée. J'espère que c'est bien clair. J'espère que c'est bien clair. Ça fait deux. États-Unis, Canada, les deux jours, ils ont déjà dit que pas de pain dans leur soirée. Donc, vous pouvez porter le pain là pour faire la cuisine. Vous pouvez porter pour rester à la maison. C'est comme vous voyez. Le 9 février, la reine-mère, ouais, la stamania de ça. Si je pouvais aussi donner même certaines signatures à mes collègues. Le chaos est bien. Les papiers sont bien, qu'on ne vous mente pas. Vous savez, il y a des gens qui me détestent parce que j'ai mes papiers. Vous savez pourquoi on m'invite? Parce que je peux me déplacer n'importe où. Parce que j'ai ça. C'est l'ouverture. Donc, en février, le 9 février à Leeds. J'ai publié depuis. Il faut appeler pour réserver vos tables. Ça va chauffer à Leeds. Soirée glamour pour la Saint-Valentin. Oui. La reine-mère est en train de préparer quelque chose. J'ai pensé aux femmes. FDL prépare la sortie de Nid d'amour. Avec 10 produits comme ça dedans. 10. J'ai cité le marteau, les pinces, le caleçon pour homme, le string pour homme, la lingerie pour la femme. C'est le coffret que je sors pour la Saint-Valentin. Maman, je travaille. Ne me voyez pas sur Facebook. J'étais là, je faisais le mbrakata et tout et tout. Maintenant, c'est le work. Je m'assois plus pour parler ici pour rien. D'accord? Je dis, la reine-mère, le coffret Saint-Valentin sera sorti avec 10 produits dedans. Au prix de 100 euros. Je ne discute avec personne. Le luxe de ça. Maman, les appareils que j'ai mis dans, on va parler, ça dit que je vais faire le direct pour vous montrer comment utiliser ce qui sera dans l'eau. Parce que ça s'utilise à deux avec son homme. Les gens parlent que Fleur de Lys parle à la sauvagerie, parle à la sauvagerie. Maman, on vous dit que le glamour, la Saint-Valentin, ça se fait à deux. Le coffret Saint-Valentin sera limité. J'ai mis 10, je dis que 10.
avec les piles, parce que je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas acheter les piles. Je mets les piles dedans, les femmes. Cette fois-ci, j'ai dit que même si une femme n'a pas de gars, elle va sauver que joie. Pas le joyeusement que les gens crient. On dit, maman, on dit, maman, les cris de ça. Ouais. Avec FDL, maman, quand ça vient, c'est avec. C'est les. Ah! Oh! C'est sexy, quoi. C'est. Oh! Ce que vous aurez dans le coffret, ce que vous allez ressentir, même quand on mange, ce n'est pas le ressentiment, le goût de ça. Je vous ai mis les pinces, le fouet. C'est Flo de Lille qui parle. Je n'ai pas fini, oh. Je suis en train de parler là, de ce qui vous attend dans le prochain jour. Ce que FDL vous prépare, ça s'appelle Nid d'amour. Ça vient en coffret. Quand vous allez ouvrir l'odeur de ça, la jouissance de ça, quand vous allez poser mon coffret Saint-Valentin, comme ça, bang, je prie les gars d'acheter pour leurs femmes. Le coffret Saint-Valentin, c'est un coffret que, quand tu ouvres, pas les histoires que les vieilles chouettes là parlent, que le banzizi, ma chérie, aucun banzizi. Quand tu ouvres le coffret Saint-Valentin, maman, l'odeur de ça, quand ça frappe, boum, ça te donne d'abord les envies, maman. Nid d'amour. Ça s'appelle nid d'amour, maman. Je trouve que c'est nid d'amour. Je ne suis pas là pour jouer. Ma société, aujourd'hui, pèse 100 000 euros. Ça fait 65 millions de francs CFA que ma société pèse. S'il vous plaît, je ne rigole pas. Je travaille. J'ai pensé au fouet pour vous. Parce que vous, les Africains, vous devez découvrir les choses. Laissez-moi ça, laissez-moi les histoires que les gens racontent là-dehors. Que non. Laissez-moi ce qu'on raconte là. Vous allez découvrir. Je vais vous apprendre par force. Si j'ai obligé les femmes à mettre le rouge à lèvres avant de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, je vais vous obliger à utiliser les gadgets. Vous allez savoir le sucre que ça fait. Je vais arranger vos mariages. Vous avez compris? Ceux qui sont en train de partir là, partez. Hein? Partez, hein? Il y a quand même au moins 3000 personnes qui sont là. Pour m'écouter, je dis, j'arrange les mariages là en février. Le coffret Saint-Valentin sort avec... Je vais vous apprendre à utiliser. Je vais faire un direct. Je vais vous apprendre comment s'en servir. Oui, moi, Florde, je dis ça. Eh, mon docteur le bon. L'ambinda de ça. Je dis que la gnasse de ça, ce que je vais sortir, quand tu vas prendre comme ça, comme le clam miel, quand tu vas ouvrir. Agnès, le bien, je vais t'apprendre à utiliser ça avec le bon. Je vais te montrer comment faire. Terriblement, la PDG canadienne, je vais te montrer la PDG canadienne comment reséduit encore terriblement avec le coffret Saint-Valentin. Le goût de ça. Dans la démonstration, première démonstration, tous ceux qui achètent le coffret Saint-Valentin, vous allez me voir en action le 9 d'abord en Angleterre. Je vais descendre de... C'est-à-dire, je vais descendre sur une barre de striptease. Je vais descendre sur la barre de striptease. Pour ceux qui sont déjà allés où on danse le striptease, je vais apparaître avec le savon sur moi et le coffret Saint-Valentin. Je vais descendre du ciel. Je vais descendre du ciel avec le coffret Saint-Valentin et je vais atterrir avec le savon sur moi. Maman, le goût de ça. Je vais vous montrer le voirâtre ici à Facebook. J'ai dit ça. Donc, allez réserver. Réservez déjà vos billets pour l'Angleterre, à Leeds. Les coffrets Saint-Valentin sont avec. Je vous livre avec les piles dedans. Je ne veux pas les histoires. Je n'ai pas la pile de 1 euro. Tout vient. Les pinces. Je vais vous montrer. Les vieilles chouettes là, je vais vous montrer. Vous allez reséduire vos maris de force. Vous allez reséduire vos maris de force. Vous allez utiliser ce que je vais vous montrer. Il y a le gel dedans.
que personne ne se blesse. Je ne veux pas les trucs à sec. Les préservatifs sont là. Je vous ai montré les préservatifs FDL. Il faut toujours enfiler le préservatif. C'est très important d'enfiler le préservatif. Pour les gens qui sont, je vais dire, c'est bien d'utiliser le préservatif. C'est important. Mmh. Vous aurez. Ça te fait. La benguise est là. Maman nous t'a bien. Elle nous mourra bien. Elle nous mourra bien. Elle nous bien. C'est-à-dire, préparez vos 100 euros pour le coffret Saint-Valentin. Terriblement. La PDG canadienne, terriblement, va encore retravailler papa terriblement. Vous allez comprendre le goût de ça. Toi qui envoies les têtes de mort là, je ne peux que te dire que je nique ta race. Vous êtes jaloux. Mais attends, quels sont ces jaloux là? Mais ça, c'est de la jalousie. La pure et simple jalousie. Je vais vous bloquer. Ne vous inquiétez pas. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est des jaloux qui parlent là. Alors, toujours pour février, je vous ai parlé du coffret Saint-Valentin. La démonstration sera en direct. Je vais savonner mon corps et me mettre ici sur Facebook. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir. Parce que la vieille chouette américaine là tourne souvent. La vieille mère là, elle fait souvent l'ombrakatake. Avec ses vieilles fesses, elle fait les choses. Moi, je vais faire les choses, allez voir. Patricia de Toulouse, ce coffret a été créé pour toi, maman. Les pinces, ne vous blessez pas. Je vais vous montrer comment utiliser les pinces avec son homme. C'est les pinces tétons. En tout cas, je ne dis pas tout ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a les chocolats dedans. Donc, il y a les chocolats dedans, les chocolats Saint-Valentin. C'est dedans. Vous allez voir, vous allez découvrir. Mais ce qui est, vous allez aimer. Je ne veux pas sec. Vous allez crier, c'est-à-dire que c'est les... Oh! 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 Ce n'est pas les vieilles cheveux. Maman, c'est la guerre. Yes, maman. Le genre de personne qui crie que tu ne peux pas louer ta maison à la qualité là. Yé, malé. Ce n'est que bon au bureau, maman. Vous ne pouvez pas. Ya! Yeah. C'est quel genre de cri comme ça? Ma PDG canadienne demande que le nom des pinces là c'est quoi. Non, ma PDG, tu vas découvrir. Non, c'est les pinces. Laisse, je ne peux pas te dire. J'ai honte de dire maintenant. Parce que si je dis, il y a les tricheurs là. Donc, à même occasion, au mois de février, le 16 février. Oh là là, maman. C'est à Bruxelles, la PDG canadienne, la PDG internationale Fleur de Lys. Je vous invite à Bruxelles massivement sur... On va dire qu'il faut appeler le numéro, l'ouverture d'un restaurant chic, classe, glamour, dans un quartier. Je dis bien, le restaurant, l'ouverture d'un restaurant chic à Bruxelles, le 16 février, la reine-mère, elle l'invitait quoi? Comme d'habitude, la guest star. Donc, voilà, attendez, je vais vous parler de ce restaurant le 16 février. Aïe, le goût de ça. Ouais, Fleur de Lys, les gens t'aiment. Les gens t'aiment, la reine mère. Le safari, maman. L'ouverture d'un restaurant. Parce que les Africains, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'avoir peur d'aller dans des endroits qui sont chics. Pourquoi vous aimez là où vous entrez, vos vêtements commencent à sentir seulement la nourriture? Apprenons à aller là où c'est bien, là où c'est beau, là où c'est propre. Hein? Donc le safari sera ouvert. Le safari à Bruxelles. Maman dans un quartier chic, le quartier des ambassades. Ça s'appelle Litz. Ça s'appelle... Le quartier là, non. Le quartier à Bruxelles, où il y a l'ambassade du Cameroun, là. Oui. Le safari. Le safari à Uccle. À Uccle. En Belgique. Maman, c'est gratuit, hein. Il n'y a pas beaucoup. C'est gratuit. L'ouverture de ces restaurants, c'est gratuit. Donc, vous allez manger
gratuitement. Mais la boisson, vous payez. Arrêtons d'avoir peur d'aller là où il y a le luxe. Donc, allons là où il y a le luxe. Vraiment, je voudrais dire à la personne qui m'a invité en Côte d'Ivoire, parce que j'étais invité en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour le 10 mars. Mais je ne peux pas, je ne pourrais pas. Je vais essayer de voir s'il y a une autre blogueuse camerounaise qui est en puissance où je peux conseiller aux producteurs de prendre. Mais il y a qui? Ils ont déjà fait quelques preuves, on a vu. Donc, je suis invitée à Abidjan. Fleur de Lys reste Fleur de Lys. La reine mère, la PDG internationale, la Côte d'Ivoire te cherche. J'aimerais m'expliquer, j'aimerais m'excuser du fait que je ne peux pas aller à Abidjan cette fois-ci. Parce que entre mes tournées dans le monde entier, je ne pourrais pas. Mais on verra. Où est Emma? Hein? Où est son air? Mais ma mère veut passer. Je vais faire comment? Je tourne d'abord, elle passe et puis je retourne. J'ai pris une mauvaise. Attendez. Tors les mains. Attendez, pardon. Excusez-moi. Attendez. Ma mère passe, la cache d'abord. Je la laisse passer d'abord. Tors les mains. Voilà. Moi, son, il ne peut me choisir pas. Voilà. Où est-ce qu'on est, non? Ok. Je suis en train de dire, ouais. Donc, je vais couper le direct et puis je vais relancer pour faire, pour parler de quelqu'un. Je vais parler de la basse. Je vais parler d'une personne exceptionnelle dans la basse. Donc, je vais couper le direct et je vais relancer. On va parler maintenant de la basse. On va parler du général Barak. Voilà. Donc, je vais... On m'a un cabet. Non, son est. Attendez, je coupe. Attendez, je vais m'occuper un peu de ma mère. Là, j'arrive. Attendez, je propose qui? Attendez, je relance tout de suite.